Là, en ce moment, je travaille sur un ensemble que j'ai appelé l'étendue du désastre. Et l'étendue du désastre combine des images de plusieurs sources, des photos à moi, d'autres images. Et un petit peu comme pour une planche d'Abby Warburg, ça met comme ça ces photographies les unes à côté des autres pour essayer de produire une narration, essayer de produire une nouvelle forme de paysage. Ça va réunir des images, par exemple, qui sont des disaster postcards et qui ont été produites aux États-Unis au début du siècle, sur lesquelles on voit des catastrophes, des incendies, des inondations, des explosions de puits de pétrole, avec cette chose très étrange que lorsqu'il y avait une telle catastrophe qui arrivait, on allait réaliser une carte postale à partir de ça. Et je trouve intéressant aujourd'hui, dans un environnement qui est un peu menacé, on va dire beaucoup plus instable que ce qui pouvait nous paraître il y a, je sais pas, peut-être même une dizaine d'années, de commencer à réfléchir à un paysage qui serait plus un paysage éternel et immuable, mais qui serait un paysage en danger, qui serait un paysage en train de peut-être de basculer ou de s'effondrer. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, je suis en train de préparer un livre. Le projet est construit sur des photographies prises sur la côte est des États-Unis aux alentours de 2008, dans les mois avant l'élection de Barack Obama, et un autre ensemble avec des images prises sur la côte ouest, de l'autre côté, dans les mois qui précèdent l'élection de Donald Trump. Et dans le jeu entre ces deux groupes d'images, ce que je recherche, c'est l'écart entre deux points opposés d'un continent, c'est l'écart entre deux moments historiques, c'est l'écart entre deux temps politiques. C'est dans cet écart-là qu'il y a quelque chose qui va se fabriquer. Et tout le travail sur la côte est est quelque chose qui est beaucoup lié au végétal. C'est la manière dont la nature va peser sur le paysage quand tout ce qui se passe sur la côte ouest est beaucoup plus lié à l'asphalte et à quelque chose de, on va dire, plus construit, plus fabriqué, plus droit. Le Fire Season est une série, une collection d'autocollants représentant des incendies. Et j'ai conçu ça un peu comme une collection d'images panini, ces petits autocollants que les enfants s'échangent dans la cour de récréation. Et il y a comme ça une succession d'autocollants d'incendies qui peuvent être échangés, qui peuvent circuler extrêmement vite. Et travailler comme ça avec cette forme un peu archaïque de la collection d'autocollants, ça me permet de réfléchir à ces images qu'on va récupérer sur la page Facebook d'un copain, retweeter, renvoyer, télécharger, garder sur un disque dur, renvoyer, recopier, qui s'imprime jamais. Et du coup, cet objet-là, ce simple autocollant, tout bête, il va comme ça être un outil pour penser notre fabrication d'images. Et Fire Season, c'est donc une collection qui a maintenant une vingtaine d'images. Et chaque fois, chaque image est produite à 1000 exemplaires, distribuée jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tout se joue dans ce statut extrêmement particulier où l'image à la fois est un objet et à la fois n'en est pas un. Et par ailleurs, très souvent, lorsque je fabrique des objets, je les fabrique en grande quantité. Je trouve que c'est peut-être une position un peu hypocrite de la part de l'artiste de continuer à produire des objets uniques quand le monde dans lequel il vit est entièrement contrôlé par la multiplicité des objets. C'est vrai qu'il y a une dimension très citationnelle dans le travail, assez récurrente, et avec des artistes comme, je sais pas, quelqu'un comme Warhol, qui a pour moi été toujours quelqu'un de très important. Par exemple, dans les Brio Box, se trouve à ce moment un peu particulier où on est en train de passer à peu près dans la presse et dans l'édition de la reproduction noir et blanc à la reproduction couleur. Ce qui fait que les premières images des Brio Box sont des images en noir et blanc. Et du coup, il y avait cette espèce de jeu assez amusant qui était de fabriquer une réplique, mais que cette réplique-là soit faite à partir non pas de l'œuvre elle-même, mais à partir de l'image qui a circulé. Donc ça ressemble à une sculpture, ça ressemble à un travail de citation en quelque sorte, mais fondamentalement ça reste une réflexion sur l'image, sur la photographie comme média. Ça me fascine la manière dont on fabrique toujours des fétiches, dont on fabrique toujours des auteurs, dont soi-même on est toujours fétichiste, moi le premier, hein, on est toujours fétichiste des objets, on est toujours fétichiste des...
on est fétichiste des auteurs aussi, on est fétichiste des artistes. Donc il y a une espèce de jeu comme ça où il ne faut pas se faire étouffer par ça, mais c'est quand même présent, quoi.